C'est quoi des préjugés que tu avais entendus de l'école? Que la cafétéria était pas bonne. Ma foi, il y a des élèves des autres écoles qui viennent manger ici. En ce moment, c'est la fin de session et je suis à HEC Montréal pour voir comment les examens se déroulent. Parce qu'on va se le dire qu'en étudiant ici, là, ben des portes, ils s'en ouvrent. La preuve! Ah ben, vous l'avez dit, il pleut des possibilités. Alors là, tu sors tout juste d'un examen? Ouais. Sur une échelle d'un à 10, comment ça s'est passé? Je dirais 8. 8, je pense. 8. 7? Moins 2. Moins 2? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Un emploi de rêve, ça serait gestionnaire de marque pour une maison d'édition. Tout ce qui est ingénierie des données, des statistiques. Marketing en média. Aéronautique. Oh! Soit je veux faire du marketing, du droit pénal ou du droit des affaires, agent immobilier, ou alors je vais être maîtresse pour les petits-enfants. Je fais partie de cette association maintenant. Salut, là, on peut... Alors, Justin, pourquoi tu as décidé de venir étudier ici à HEC Montréal? Mais ma sœur est venue au HEC. Des grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins. Ma sœur est venue au HEC. Puis Justin. Surtout Justin. Pas moi qui le dis, là. Une famille? Il y a la renommée, ben, la qualité. On peut aller dans d'autres pays pour faire des échanges étudiants. Donc moi, je suis anglophone, je voulais vraiment améliorer mon français. On rencontre des personnes formidables comme mon ami ici, Flavio. Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi depuis ton arrivée ici, à l'école? Te découvrir en tant que personne, je pense. Je suis pas une fantôme. Est-ce qu'il y a un secret bien gardé à HEC Montréal? La mezzanine. Il n'y a personne à la mezzanine. Allez étudier là-bas. C'est-tu ça, la mezzanine? Je suis Céline sur les plaines. Céline, si tu avais à décrire ton expérience d'études ici en un mot. Opportunité. Internationale. Oh my God. La ronde. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas de mon parcours jusqu'à maintenant. Épique. Épique.